Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau et dernier numéro de la semaine de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro du jour est consacré aux questions de relations diplomatiques, mais aussi d'investissement économique. Et cela nous amène en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, vous le savez. Le Royaume-Uni qui a décidé de quitter l'Union européenne tout récemment, mais avant, bien sûr, il a organisé un forum d'investissement auquel pratiquement le continent africain a été invité. Et j'allais dire 16 chefs d'État, notamment le président guinéen, ont été donc accueillis par Boris Johnson en Angleterre. Ils ont parlé investissement, business, et nous parlerons de tout ça en termes d'enjeux. Qu'est-ce que l'Afrique peut y tirer? Et puis, quelle est la motivation de cette nouvelle orientation économique des Grande-Bretagne? Et pour en parler, évidemment, nous donnons la parole à M. l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, de M. David McRoy, qui nous reçoit ici dans son local. Alors, M. l'ambassadeur, merci de nous recevoir. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de discuter de ces sujets. Merci surtout de votre disponibilité. Je rappelle entre-temps que nous allons, avant de parler évidemment de ce forum, parler d'un autre sujet qui concerne le Royaume-Uni, qui a fait beaucoup de débats depuis maintenant 3 ans, c'est vrai, dans l'espace Union européenne, mais qui concerne aussi les autres pays partenaires du Royaume-Uni. Il s'agit de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. La question, pourquoi cette décision? Mais aussi, notre invité, M. l'ambassadeur, va se prononcer brièvement et à la fin de cette émission sur la crise actuelle qui mine notre pays. Alors, pour commencer, je rappelle que vous êtes nommé en Guinée il y a à peine 7 mois. Donc, vous êtes à votre début en Guinée. Quelle impression vous avez eue en arrivant en Guinée 7 mois, hein, 7 mois après? Je suis arrivé en Guinée fin juin l'année dernière et c'est un grand plaisir d'être dans ce pays. C'est un pays très beau. Je suis arrivé pendant la saison pluviale et c'était assez difficile de voyager partout dans le pays. Mais, ouais. Mais après ça, j'ai eu le plaisir d'aller voir les autres villes. À l'intérieur du pays. L'intérieur et c'est un paysage très beau et la population est très chaleureuse et c'est un honneur de représenter mon pays en Guinée. Bien, merci. On espère effectivement que votre séjour va se prolonger longtemps en Guinée. Alors, pour parler Brexit, votre pays a décidé de quitter l'Union européenne. Après 40 ans de mariage, comme le diraient certains analystes, mais la première question, pour une question de définition, d'abord, c'est quoi le mot Brexit? Le mot Brexit, c'est pas un mot que nous utilisons officiellement. C'est une contraction de deux mots. D'accord. C'est le Britain Exit. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sort de l'Union européenne. Brexit. Ça veut dire Bretagne quitte. Oui, exactement. C'était pour contracter. Officiellement, nous parlons de la sortie de l'Union, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est ça qui s'est passé il y a deux semaines. Voilà. Alors, pour parler du Brexit, 40 ans après 40 ans, comme je l'ai dit, de mariage, 40 ans de partage d'un espace, n'est-ce pas, avec 26 autres pays européens, alors que nous sommes dans un monde aujourd'hui où on parle de globalisation, où on parle de mondialisation, de grands ensembles économiques et politiques, vous décidez de quitter l'Union européenne. Pourquoi? C'est une bonne question. Il y a 4 ans, le gouvernement britannique a décidé d'offrir un référendum à la population. Et le gouvernement a promis de respecter le résultat du référendum. En ce moment-là, ce n'était pas clair que soit le résultat, mais la population a voté de quitter l'Union européenne. C'était une question simple, oui, on a resté dans l'Union européenne ou pas. Quitter. Une majorité de la population a voté de quitter l'Union européenne. Pour
des diverses raisons. Il n'y a qu'une seule raison. Et je ne peux pas parler pour la population. Je peux parler seulement au nom du gouvernement. Évidemment. La position du gouvernement était de respecter, quel que soit le résultat, le gouvernement va respecter le résultat. Mais on sait que la position du chef du gouvernement, de la majorité, notamment Boris Levent, c'était de quitter. Le résultat. La position du gouvernement, et nous avons une opportunité maintenant, après avoir quitté l'Union européenne, nous avons une opportunité de créer des bonnes relations avec d'autres pays partout dans le monde. Pendant l'ère de notre adhésion à l'Union européenne, nous sommes été limités aux règles de l'Union européenne dans le domaine douanier et de commerce avec les autres pays. Maintenant, nous avons la possibilité de créer des nouveaux accords, des nouvelles relations avec les autres pays hors de l'Union européenne sur la base de libre échange. L'échange libre, c'est très important pour nous. Nous pouvons maintenant négocier directement. Ça va prendre du temps. Et maintenant, nous sommes dans une période de transition. Nous avons quitté l'Union européenne fin janvier et jusqu'à fin de 2020, nous sommes dans une période de transition et après décembre, nous aurons des nouvelles relations avec l'Union européenne et nous sommes libres de négocier des nouvelles relations avec les autres pays partout dans le monde. Alors, quand vous décidez de quitter cette union, est-ce que ça veut dire que tous les 40 années que le Royaume-Uni a passé dans l'ensemble, dans l'espace Union européenne, ça n'a pas impacté positivement l'économie de la Grande-Bretagne, ça a limité les libertés de la Grande-Bretagne, vous étiez gêné dans cette union à un moment donné, il fallait quitter pour que l'Union européenne se sente libre de la gestion de ses frontières, de son économie, ainsi de suite. C'était ça. Il y avait beaucoup d'arguments sur les deux côtés. La position du gouvernement est claire. Nous avons une grande opportunité pour cette nouvelle ère. Bien. C'est très. En ce moment-là. La forme exacte de nos futures relations avec les autres pays, ce n'est pas clair, mais nous entrons dans une période historique pour le Royaume-Uni avec l'opportunité de créer des nouvelles relations. Au même temps, c'est très important de dire que nous voulons avoir des relations très proches et amicales avec nos anciens partenaires au sein de l'Union européenne. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous voudrons travailler très prochainement avec l'Union européenne. Par exemple, en Guinée, j'ai des bonnes relations avec mes collègues européennes et notre position est très proche sur plusieurs sujets. Il n'y a pas une raison de le changer. Et ça, on le saura tout à l'heure, si vos positions sont proches de l'Union européenne que vous avez décidé de quitter désormais sur certains sujets, notamment concernant la Guinée. Mais avant ça, est-ce que ça ne sera que des opportunités de quitter l'Union européenne en parlant de la solidité du Royaume-Uni territorialement? Vous avez par exemple l'Irlande du Nord qui ne partage pas forcément cet avis, peut-être l'Écosse aussi. Est-ce que, parce qu'ils ont maintenant une certaine envie de quitter et d'adhérer à l'Union européenne, est-ce que ça, ce n'est pas un obstacle? Ou est-ce que vous arriverez à gérer ça à l'intérieur? Je comprends l'inquiétude. Personnellement, je suis né en Irlande du Nord et je comprends les sentiments bien en Irlande du Nord, mais le Royaume-Uni est un pays et le référendum était pour le pays
entière. Mm. La décision a été faite par le pays mm. et le gouvernement est clair que c'est important pour retenir ensemble les différentes parties du Royaume-Uni. Yeah. Avec toutes les grandes questions politiques, il y a des différentes, diverses opinions. Mm-hmm. Et en certaines parties du Royaume-Uni, il y a plus de sentiments pro ou contre l'Union européenne. Mais la position du gouvernement est de bouger ensemble. Ensemble. Bien. Et en parlant des perspectives, n'est-ce pas, notamment économiques, du Royaume-Uni après le Brexit, ces relations que vous allez avoir avec différents pays, et je crois que c'est en prélude à cela que vous avez organisé le forum de Paris, pardon, le forum à Londres avec les pays africains, et nous allons parler de cela tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission dans Café Débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est Monsieur David McRoy, j'espère que je le prononce bien, c'est l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, si vous voulez, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République de Guinée. Avec lui, nous parlions dans cette première partie en termes d'introduction du sujet qui a mis le Royaume-Uni au cœur des débats, des infos dans le monde et notamment en Europe, cette affaire de Brexit, l'Union européenne le Royaume-Uni qui décide de quitter l'Union européenne. Donc il a expliqué les raisons fondamentales, notamment du gouvernement actuel qui a donc fait campagne pour cette sortie de l'Union européenne, du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment l'opportunité pour le Royaume-Uni d'avoir la gestion de ses frontières, mais aussi d'établir des relations économiques avec différents pays. Et c'est pour cela qu'on va parler justement de cela. Vous avez fait ce forum un peu avant que le Brexit ne soit officiel, notamment au mois de janvier. Le forum, c'était le 20 janvier. Est-ce que vous avez fait ça pour préparer le terrain? Et évidemment, beaucoup de pays africains, ou sinon le continent africain, a été invité, notamment la Guinée, a été représentée par le président Alpha Condé, qui a eu un tête-à-tête avec Boris Johnson. C'est ça? C'est ça, exactement. Dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, nous devons préparer pour les nouvelles relations avec les autres pays dans le monde. Et nous voyons le potentiel de l'Afrique pour les nouvelles relations avec le Royaume-Uni. Et le gouvernement britannique a choisi 21 pays africains pour assister à ce forum, à ce sommet. Et personnellement, je suis heureux que la Guinée a été choisie et je suis ravi que le président Alpha Condé a participé personnellement. Oui, c'est très important pour moi de voir comment nous pouvons augmenter, améliorer les relations avec la Guinée. Mm. La Guinée est un pays pas très bien connu au Royaume-Uni et c'est mon but de le changer et de faire en sorte que la Guinée soit davantage présente. Je voudrais travailler afin de augmenter les relations et de présenter au gouvernement britannique les opportunités pour l'investissement en Guinée et les relations bilatérales. Et le sommet d'investissement a été une opportunité parfaite de le faire. Et donc, j'ai vu quelque part qu'il y a eu environ 7,6 milliards de livres. Donc, aussi 6 milliards de livres, donc 7 milliards d'euros de signatures de contrats, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut savoir globalement quels sont les domaines que vous avez privilégiés dans les contrats qui ont été signés avec les pays africains? Et pour la Guinée, par exemple, quels sont les types de contrats qui ont été signés lors de ce forum à Londres? Oui, oui.
le sommet a été l'opportunité d'apporter ensemble, pas seulement les gouvernements, mais les entreprises. Il y avait des entreprises guinéennes qui ont participé dans le sommet. Et il y avait des opportunités pour les entreprises guinéennes et les entreprises britanniques de parler ensemble. Et également les deux gouvernements de parler ensemble. Et les hommes d'affaires. Et, oui, exactement. Et les deux gouvernements et les représentants des entreprises des deux pays. Mm-hmm. Donc, il y avait des opportunités pour des accords privés entre les entreprises, mais également des accords entre les gouvernements. Et le gouvernement britannique a signé un accord avec le gouvernement guinéen pour établir un forum pour continuer de discuter. De façon bilatérale. Exactement. C'est un accord entre les deux gouvernements pour créer un forum de discussion des affaires commerciales. Mm. En particulier, en ce qui concerne le secteur minier. D'accord. Ça, c'est un secteur très important pour la Guinée et pour les investisseurs britanniques en Guinée. Mm. Donc, nous avons encouragé plus d'investissements britanniques dans le secteur minier en Guinée. Mais ce qui était clair pendant le sommet était les opportunités dans les autres secteurs également. Et pour la Guinée, ça concerne par exemple le secteur agricole. Il n'y a pas beaucoup d'investissements britanniques dans le secteur. Donc vous ne vous limiterez pas seulement aux mines. Oui, exactement. C'est important pour... C'est une question pour la Guinée, mais il me semble que c'est important pour la Guinée de ne pas focaliser sur le secteur minier, mais d'ouvrir des autres secteurs. Et les entreprises britanniques et le gouvernement britannique est prêt d'aider la Guinée avec cette aspiration. Et il y a beaucoup d'expertise britannique dans l'infrastructure, par exemple, qui peut aider le secteur minier et le secteur agricole. D'accord. Le sommet a été une opportunité pour les experts des entreprises britanniques de parler avec le gouvernement guinéen et les experts des entreprises guinéennes. Alors, en termes de prévisions, de perspectives, là je parle pour... entre le Royaume-Uni et la Guinée, est-ce qu'il y a une enveloppe qui est prévue, une enveloppe d'investissement, que ce soit pour le gouvernement ou pour les hommes d'affaires britanniques? Pas exactement. Pas exactement un chiffre exact. Nous, autant que gouvernement, nous pouvons encourager des relations directes entre les entreprises. L'investissement, en principe, c'est une question pour les entreprises privées. D'accord. Et notre rôle est de faciliter des échanges libres. Mmh. Et nous l'avons fait. Nous avons parlé, les deux gouvernements, des opportunités pour, par exemple, d'encourager des entreprises britanniques de venir à Guinée, de voir les opportunités. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la Guinée. Yeah. L'économie, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel et nous avons l'expertise au Royaume-Uni d'aider le gouvernement, la population guinéenne de réaliser son potentiel au profit de nos deux pays. Bien, notamment dans le domaine minier et agricole. J'espère. Donc les entreprises britanniques sont intéressées par ce domaine et ça veut dire que très bientôt on pourrait voir une visite des investisseurs britanniques à Conakry pour venir prospecter ces domaines. Alors, il y a aussi le domaine de l'éducation, hein. J'ai vu quelque part l'éducation, on parle d'échange entre étudiants guinéens et britanniques en anglais, l'apprentissage de l'anglais. Et ce qui est intéressant, que le sommet a été en anglais. C'était la langue du sommet. Et j'ai participé dans des autres
conférence d'investissement pour l'Afrique entière, mm-hmm. et toujours la langue est anglaise, mm-hmm. pour discuter ces affaires. Et je suis ravi que la Guinée veut utiliser de plus en plus la langue anglaise. Mm-hmm. Et pour cette raison-là, pendant la visite du président Condé, nous avons organisé une présentation de voir comment les étudiants guinéens et les étudiants britanniques partagent ensemble leur expérience d'apprendre leur propre langue, mm-hmm. en ligne. So les D'accord. étudiants en Guinée, les étudiants à Londres. Et ça, c'est un petit exemple de notre volonté d'améliorer l'utilisation de la langue anglaise en Guinée. Et puis il y a aussi la question de déplacement, n'est-ce pas? L'Angleterre, on sait que c'est un pays, en tout cas quand il était dans l'espace européen, qui était plus fermé, difficile d'accès, difficile d'accès. Oui. Maintenant que vous êtes seul, est-ce que ça veut dire que l'accès sera encore plus difficile? Ou est-ce qu'avec les relations bilatérales, vous allez faciliter l'accès des gens, bien sûr dans le domaine des études, des recherches, mais aussi économique à l'Angleterre? Je comprends qu'il y a des contrôles stricts pour entrer dans l'Union, dans le Royaume-Uni. Mais les contrôles existent pour une bonne raison, de régler la sécurité. Pour la sécurité, de régler la sortie des peuples. Mais après avoir quitté l'Union européenne, nous sommes libres d'améliorer notre système politique d'immigration. Oui, exactement. Et c'est le but du gouvernement d'avoir un système qui encourage les personnes quel que soit leur pays d'origine, qui ont la formation, l'expérience dont nous avons besoin. Et maintenant, nous devons donner une préférence à la population de l'Union européenne, mais après avoir quitté l'Union européenne, nous sommes libres de donner les mêmes opportunités à tout le monde. Oui. Mais au même temps de contrôler strictement l'entrée dans le pays. Bien, donc 16 grands chefs d'État africains qui ont été invités à ce forum. Bref, est-ce qu'on peut dire que ça a été une réussite plus que d'autres forums? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des forums qui ont existé avant ça, Brésil-Afrique, Russie-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour vous aligner simplement dans le tableau des conférences Afrique-Chine-Afrique, ainsi de suite, ou est-ce que c'est tout simplement... ce sommet est spécial et que ça c'est différent des autres? Well, c'était spécial pour le Royaume-Uni. C'est la première fois que nous avons organisé une conférence comme ça. Je ne peux. Et ça va continuer? Nous n'avons pas de plans immédiats pour continuer, mais bien sûr nous voulons continuer les bonnes relations et le momentum du sommet. Nous pouvons continuer. Je ne peux pas parler des autres sommets entre l'Afrique et la Chine, par exemple, mais pour nous, le sommet d'investissement en Afrique, c'était un grand succès. Et pour moi, à l'ambassade en Guinée, j'ai vu comment nous avons promouvoir les opportunités en Guinée, et pour moi, c'était un succès. D'accord. Et puis on va donc terminer par l'actualité en Guinée, n'est-ce pas? Vous êtes ambassadeur depuis 7 mois. Oui. Vous avez découvert un peu le pays, le paysage et tout. Mais à part ça, il y a l'actualité politique. Oui. Nous vivons une crise sociale majeure. Il y a une partie de la population qui est regroupée dans ce qu'on appelle le FNDC, qui est opposée à la nouvelle constitution proposée par le président de la République. Et donc, ce choc-là, ça a créé des manifestations, des morts, des dégâts à l'intérieur du pays et tout ça. Vous, quelle est votre lecture de cette crise aujourd'hui?
concerne la situation politique en Guinée, c'est pas pour moi, autant comme ambassadeur étranger, de dire comment doit être votre système, mais quand j'ai vu les morts, les nouvelles très 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 tristes, c'est clair qu'il existe une crise politique. Il me semble qu'il y a un manque de dialogue entre les partis. Nous encourageons les autres acteurs politiques d'avoir de bons dialogues et c'est nécessaire de tenir des élections d'une manière libre et transparente et crédible. Et cette question est liée à notre conversation sur le climat d'investissement. Absolument. Parce que, comme je disais, ce n'est pas pour moi de prendre une position politique dans votre pays, mais c'est pour moi d'encourager l'investissement britannique en Guinée. Oui, parce que ça ne favorise pas l'arrivée des investisseurs. Exactement. Et il existe une inquiétude sur la situation et pour créer un climat d'investissement bon, c'est nécessaire d'avoir un climat politique apaisé pacifiquement. C'est une période très difficile en ce moment. Alors, et donc vous avez quitté l'Union Européenne, c'est vrai, mais l'Union Européenne a pris des résolutions, je crois hier. Et donc ils ont dans un premier temps gelé les ventes de tout ce qui est armes et consorts à la Guinée, et puis ils ont fait des demandes. Est-ce que vous partagez cette position? Parce que tout à l'heure vous avez dit, même si vous avez quitté l'Union Européenne, mais il y a des positions que vous partagez avec eux sur certains sujets. Donc sur ces sujets-là, est-ce que le Royaume-Uni partage la position de l'Union Européenne? Notre position est très proche à la position de l'Union Européenne. Il y a 4 mois, nous avons participé d'un communiqué de l'Union européenne et certains autres acteurs internationaux en octobre l'année dernière. Et en ce moment-là, le Royaume-Uni en conformité exactement avec la position de l'Union européenne, et sa position n'a pas changé. Et comme je disais, c'est un appel pour le dialogue et les élections crédibles, transparentes, et malheureusement, ce n'est pas clair que c'est le cas. Ben on a terminé, peut-être si vous avez un tout dernier mot, en 30 secondes, pour tous ceux qui nous regardent. Un message? Seulement de dire merci beaucoup pour l'occasion de discuter de ces sujets. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Et je suis disponible de continuer le dialogue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette émission Café Débat, ce dernier numéro de la semaine. Au plaisir de vous retrouver lundi avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, que Dieu sauve la Guinée. Au revoir.